Il vaut mieux passer tout de suite à la super production que vous propose Cocorico Cowboy. France Gall dans la star de Hong Kong. 1930. Rivalisant avec Macao, sa voisine, pour le titre de capitale de la drogue et du vice, Hong Kong voit fleurir des tripots luxueux où se retrouvent trafiquants et malfrats internationaux. Comme tous les soirs, Quentin Loustic, légionnaire déserteur, est venu s'enivrer au Mikado Dancing. Et toutes les nuits, quand je descendais Liang-Tse-Kiang sur ma canonnière, nuit de Chine, nuit Kaline, nuit d'amour. Mais oui, on la connaît ton histoire. À quelle heure elle arrive, votre nouvelle chanteuse? Mais laisse tomber, Francia Voile, ce n'est pas une fille pour toi, c'est la star de Hong Kong. Mais je suis amoureux, je lui ai apporté un cadeau, ouais. Oh ben tiens, justement, la voilà. Bonsoir, honorable demoiselle. Oh, c'est un joli métier que vous faites, mademoiselle. Moi, j'aimerais savoir chanter comme vous. Allez chanter l'amour à ma place. Les soirs qui naviguent et l'amour qui casse. Moi, c'est comme si j'avais tout donné. Et justement, je vous ai apporté un cadeau. Un beau chandail. Sous 40 degrés à Londres. Tu sais que c'est une bonne idée, ça? Je vous ai écrit aussi un poème. Voici des fruits, des feuilles, des fleurs et des bûches. Non, je suis trompé. Voici des fruits, des feuilles, des fleurs et des... C'est ça, des branches. Je crois qu'elle m'aime pas. Serre-moi à boire. Mais je crois que tu as ta dose maintenant. Ça suffit, Quentin. Serre-moi à boire ou je casse tout. Hein? Ah, c'est... Mais t'as gagné, justement. Voilà le patron. C'est votre barman. Il veut pas me servir. Dis donc, t'as l'air costaud, toi. Ouais. Tu ferais pas un boulot pour moi? Faut voir. Avec moi, c'est pas faut voir. C'est oui ou c'est non. Toi dire oui. Monsieur Van Bulker est très, très cruel et méchant. Qui es-tu, toi? Moi, être l'honorable canard laqué privé de l'honorable monsieur Van Brucker. Ok, canard laqué, j'accepte le boulot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça vaut mieux. Dès que le Mikado va fermer, oui, tu engages deux coulis. Tu files au doc numéro 6. Là, tu trouveras trois caisses en bois. Tu les ramènes, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses? Monsieur Van Brucker n'aime pas les curieux. Bon, ok. Attention, sois discret. Sinon... Et voilà, les coulis finis. Bon, ça va, cassez-vous, pince de citron. Oh, allez. Il a de l'argent, envie de gagner. Ça s'arrose. Damné, là quelqu'un. Cachons-nous. J'en étais sûr. Denis d'Hirondelle. Eh oui, je suis le chef de la société secrète des trafiquants de Nid d'Hirondelle. Ça t'embouche un coup, hein, poupée? Et monsieur Van Brucker n'aime pas les curieux. Allez, canard, descends à la cave. On la fera parler demain. La pauvre, elle est perdue. Il faut faire quelque chose. Quentin arrivera-t-il à sauver Francia des griffes de l'impitoyable Van Brucker? Nous le saurons bientôt. La pauvre Francia est toujours prisonnière de l'infâme Van Brucker. Alors, poupée, on s'est bronzé? Tiens, je te présente l'honorable Chao Pantang. On fait pas mieux dans toute la Chine pour faire parler un prisonnier. Allez, maître, montrez-lui quelques spécialités. Amuse-toi bien, mignonne. Si quelque chose vous dérange, n'hésitez pas à crier. L'honorable demoiselle, qu'en est-elle, cet instrument? Si, maman, si, maman, si, tu voyais ma vie. Je
voir avec plaisir que la demoiselle devenir plus bavarde. Bon, je vais commencer par couper une oreille. C'est non engagé. Tiens, prends ça, face de citron. Vite, il faut venir. Allez prévenir la police de la concession internationale. J'y cours, princesse. C'est là. Police, que personne ne bouge. Elle est dans la cave. Allons vite. Pendant ce temps-là, je vais me payer un coup. Oh, puis non. Je vais arrêter de boire. Bravo, Quentin. Sage décision. Bravo. Chef, oui. On a trouvé 3 caisses de nid d'hirondelle en bas. Très bien. Je l'écoute filer, Francière. Comment avez-vous fait? Je suis l'agent X-22 de la brigade internationale anti-gang de trafiquants de nid d'hirondelle, la BIAGTN. La BIAGTN? Et je les soupçonnais depuis longtemps. Ah, et dire que nous prenions ce légionnaire pour un fou. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Vous m'avez sauvé la vie. Comment vous remercier? Chantez pour moi. Non. Si, non, si. Non. Allez, allez, bon. D'accord. Bravo, bravo. Toi t'aurais voulu jouer Hamlet, mais les propositions qu'on t'a faites, ce sont des grands vélos d'amour et des feuilletons au kilomètre. Dans ton uniforme de vedette, fais des shows et des conquêtes, tu t'es fait débrider les yeux. Comment faire pour qu'il soit bleu? Hollywood, c'est un rêve facile.